Salut les accros du jeu, aujourd'hui je vous emmène au Japon où d'étranges créatures veulent contrôler, détruire et raser la ville de Tokyo. Dans King of Tokyo, chaque joueur choisit un monstre et doit obtenir 20 points de victoire pour être déclaré roi de Tokyo. Pendant leur tour, les joueurs doivent lancer leurs dés et garder ceux qui les intéressent. Les joueurs pourront lancer à nouveau tous ou quelques-uns de leurs dés jusqu'à un maximum de 2 fois. Durant les premiers tours, le joueur qui gardera le dé d'attaque contrôlera Tokyo. Un monstre à Tokyo pourra attaquer les autres monstres et ceux qui ne sont pas dans la ville pourront l'attaquer à leur tour. Les résultats des dés serviront pour gagner des points de victoire, gagner de l'énergie qui servira à acheter des cartes bonus ou à changer les cartes visibles en piochant 3 nouvelles cartes. Ces cartes vous aideront à détruire vos adversaires, à les priver de dés ou à gagner des points de victoire, et beaucoup plus encore. Avec les dés, vous pourrez aussi attaquer les autres monstres et récupérer des points de vie. Et surtout, n'oubliez pas que le monstre qui contrôle Tokyo ne pourra pas se guérir. Le monstre attaqué à Tokyo peut décider de laisser sa place à l'attaquant et celui-ci ne peut pas refuser. Lorsqu'un monstre rentre dans Tokyo, il gagne 1 point de victoire. Et s'il y reste, il en gagne 2 à chaque nouveau tour. Quand un monstre arrive à 20 points de victoire ou élimine ses rivaux, celui-ci gagne la partie. Mes chers accros du jeu, King of Tokyo s'est révélé être une grande surprise pour cette famille. Un jeu très rapide et très, très drôle. À bientôt pour une nouvelle émission.